Ouvrir les négociations et la reprise effective des activités, les travailleurs de OCT revendiquent ce qui suit. 1. Annulation de l'accord d'entreprise du 5 octobre. 2. Paiement de la prime Covid-19 énoncée par le président de la République de l'époque pour toutes les activités essentielles pendant la période de Covid. Nous n'avons jamais reçu cela. Paiement de la prime de bonne séparation suite à la vente des actifs du groupe Bolloré à MSC. Ça a été payé dans d'autres entités du même groupe, sauf à OCT. Ici au Gabon. Ici au Gabon. BTL à côté, AGL. BTL devenu AGL à côté, a payé cette prime. C'est le groupe Bolloré, ça a été payé là-bas, sauf ici. Le DG ici a dit qu'il ne paye pas ça. Bien sûr, chez les autres, on va remettre tous les documents, tous les points énumérés ont de support. Le bonus de plus 8 heures dans les primes, dans le paiement, le mode de calcul de nos salaires. De façon plus détaillée, on mettra les documents à votre disposition pour que vous compreniez le mode de calcul de nos salaires, quels sont les éléments constitutifs qui amènent à générer un salaire à chaque employé à la fin du mois. Et ici, là, il y a deux problèmes. C'est transversal. Il y a le travail, le ministère du Travail et le ministère des Transports. Donc moi, je viens ici en qualité de transporteur. Mais je viens ici surtout parce que le port est un poumon économique de toute la République. Parce que vous savez, à peu près 90% de ce que nous consommons dans le monde passe par la mer. Et donc, quand on paralyse la mer, ça se fait ressentir dans tous les compartiments de notre vie. Donc, je viens ici eu égard à ce volet de ce secteur. Maintenant, pour ce qui est des revendications au niveau du travail, vous connaissez certainement la porte du travail en question, vous pourrez y aller. Mais comme je vous ai dit, je ne veux pas me déjuger. Si vous pensez qu'il y a eu malversation au niveau des textes, si quelqu'un a fallacieusement ajouté le nom de quelqu'un qui est mort, c'est des pratiques d'avant le 30 août. Donc aujourd'hui, nous rentrons dans l'égalité, nous voulons faire les choses proprement, clairement, dans une transparence qui ne dit pas son nom, afin que tout le monde sache que ce que je fais n'est pas bien. Il faut aussi qu'il y ait des exemples, comme ça, pour savoir que des autres. Okay. Maintenant, on a compris en profondeur le problème et on a pu déceler un peu ce qui ne va pas. La preuve, c'est qu'on est venu avec le patron du groupe régional ou sous-régional ou au Gabon et je pense qu'il m'a donné des garanties. Il m'a dit, monsieur le ministre, donnez-moi une fenêtre de tir pour que je puisse régler cela. Parce que je crois comprendre que lui aussi, dans la profondeur, il ne maîtrise pas certaines données. Ce qu'on vient de dire là, je crois que ce n'est pas au courant de ça. Attendez. S'il connaît, il a entendu de quelqu'un d'autre. Là, il entend de vous, c'est tout à fait différent. C'est pourquoi j'ai voulu qu'il vienne, pour qu'il entende lui-même. Mais cela, qu'à ça le tienne, il m'a garanti qu'entre humains et contemporains, de quelque planète que nous soyons et de quel continent que nous soyons, il comprend que nous vivons le même monde, nous respirons le même air. Ok, donc il m'a donné des garanties qu'il va tout faire pour s'asseoir avec la hiérarchie et avec le directeur du port pour remédier à ces problèmes-là. Vous comprenez? Voilà. Donc cet accord d'entreprise, je pense que ça va être abrogé dans les tout prochains jours. Mais il faut aussi comprendre qu'un système comme celui-là, pour le nombre que vous êtes, ça ne se fait pas en un jour. Il faut accorder encore à peu près, on s'est dit, je ne vous cache pas, on s'est dit une trentaine de jours.
nous avons reçu la visite de notre ministre de tutelle, le ministre du Transport. Et avec lui, nous avons trouvé une sortie des crises. Le ministre était accompagné du directeur pays et du directeur général de l'OPRAG. Ces trois personnalités ont trouvé la solution au problème qui fâchait tous les employés d'OCT et que une période d'un mois a été donnée pour remettre les choses à plat, pour une sortie heureuse de cette situation. La décision, elle est prise, nous avons acté le mouvement, la levée du mouvement de grève.